Alors, si je vois EU ou le E dans le O avec un U, j'entends E ou j'entends E. Tu vas essayer de lire tous ces mots et tu vas chercher où est l'image qui correspond à ce mot, par exemple, à ce groupe de mots. Où sont les images qui correspondent à ces mots? Alors, je lis les mots maintenant. Tu peux faire pause pour les relire. Une odeur de fleurs. Les cheveux. Une assiette creuse. L'euro. Des amoureux. Un cœur. Malheureux. Triste. Heureux. Un ascenseur. Les couleurs. Deux. Un facteur. Ordinateur, un ordinateur, un conducteur, bleu, du beurre, un nœud, œuf, un œuf, e, des œufs, un œuf, des œufs, un creux. Maintenant, tu fais pause et tu essayes de voir. Où sont les images? Je te donne la solution. Cette petite fille sent la fleur. On a une odeur de fleur. On dessine les cheveux. On voit ici aussi des cheveux. Une assiette creuse. Cette assiette est creuse. On peut manger la soupe. Une assiette creuse. L'euro. On paye avec l'euro. Amoureux. Ils sont amoureux. Le cœur. Voici le cœur. Alors. Ce personnage est heureux. Ce personnage est triste. Et lui, il est malheureux. Il pleure, il est malheureux. Où est l'ascenseur? Voici l'ascenseur. Les couleurs sont ici, les crayons de toutes les couleurs. Et le bleu se trouve ici. Il y a le bleu foncé, il y a deux bleus clairs. Un facteur. Où est le facteur qui apporte le courrier? Il est là, le facteur. Il travaille. Ordinateur. Voici un ordinateur ici. Un conducteur. Voici le conducteur de la voiture. Si c'était une femme, on dirait une conductrice. Mais ici, c'est un monsieur, un conducteur. Il conduit la voiture. Deux. Le chiffre 2 s'écrit comme ça en lettres. Du beurre. Quand je fais des gâteaux, je mets souvent du beurre. Un nœud. Oh, il ne veut pas se mettre où je veux. Le nœud. On va le mettre là-haut. Oh, le coquin, il se cache. Ici, c'est un nœud de marin qu'on fait sur les bateaux. Cette fille a plein de nœuds dans ses cheveux. Quand elle va se peigner, ça va lui faire mal. Elle a plein de nœuds dans ses cheveux. Et dans les cheveux, on peut mettre des petits nœuds pour tenir les cheveux. Ici, ils sont de toutes les couleurs. Où sont les œufs? Ils sont là. Quand il y en a un, je dis un œuf. Quand il y a plusieurs, je dis des œufs. Un œuf, des œufs. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ici, on a une boîte de 12 œufs. C'est une douzaine d'œufs. Un creux. On a déjà vu l'assiette creuse.
et un creux. Par exemple, ici, il y a un arbre, un tronc creux. Il y a un creux, un trou dans le tronc de l'arbre. Alors attention, quand je vois ces lettres, j'entends E ou j'entends E. Alors, dans quel mot entends-tu E? Euro, heureux, malheureux, amoureux, creux, nœud. Bleu, deux. Et j'entends un cœur, une assiette creuse, non, j'entends un œuf, j'entends œuf, conducteur, facteur, ordinateur, odeur, fleur, couleur. Donc là, j'entends E-U-R, ça fait heure. C'est à la fin des mots. Une odeur de fleur. Tu relis tous ces mots et tu apprends ce qu'ils signifient. Tu apprends à les connaître.